Chers amis, à partir de demain et pendant 5 jours, je diffuserai les 5 épisodes d'une série de plus d'une heure intitulée « Oradour à quand la vérité ?». Depuis plus d'une semaine, j'y travaille d'arrache-pied. J'expose l'affaire en partant des persécutions que, pendant 8 ans, les gardiens de la mémoire m'ont fait subir afin de tenter de me faire taire. Je dévoile les procédés révoltants qu'ils ont employés à mon encontre. Car ces procédés les condamnent. Plus exactement, ils condamnent l'histoire officielle. À ce sujet, j'expliquerai comment les autorités judiciaires ont voulu porter les débats sur le terrain historique avant subitement d'abandonner la partie. Non seulement elles ont abandonné, mais de plus, à l'audience, le président du tribunal sabota le débat historique que je voulais entamer. Mon exposé me permettra d'aborder les événements survenus le 10 juin tragique à Oradour. Puis je m'attarderai sur le procès truqué intenté en 1953 aux anciens Waffen-SS. Je démontrerai que les témoignages et les aveux utilisés pour bâtir l'histoire officielle sont sans valeur. Une histoire véridique nécessite d'établir la matérialité des faits. J'y consacre une partie entière. J'en profite pour établir qu'Oradour n'était pas ce village paisible que présente la thèse officielle. À partir de demain et jusqu'à mardi prochain, quotidiennement, un épisode sera mis en ligne. Comme d'habitude, je vous offre ce travail. Je ne fais cela ni pour la gloire ni pour l'argent, mais pour défendre ce que je crois être la vérité, une vérité qui nous rend libres. Samedi, en outre, je donnerai une conférence. J'y dévoilerai des aspects inconnus de mon enquête, des anecdotes et, surtout, des confidences que j'ai pu recueillir à Oradour. Elles apportent une lumière supplémentaire sur le drame. Cette conférence aura lieu samedi à 20h, heure de Paris, sur le même serveur internet que la précédente. Ceux qui veulent s'y inscrire trouveront demain un lien sur mon blog, sur mon VK, ainsi que sur ma chaîne Minds. À demain donc, pour le début de cette semaine spéciale consacrée au drame d'Oradour. Bonsoir.